Bienvenue pour ce podcast tricot. Donc on va parler de plein de tricots, de pas plein. À chaque fois, je présente trois projets. Je vais parler de trois podcasts qui me plaisent bien et puis des coups de cœur que j'ai. Au niveau aussi patron de tricot ou... Alors, allez, je me présente, je fais tout un peu dans l'ordre. Donc, Agathe Power of Tricot, voilà. Et donc, c'est mon nom aussi sur Instagram. Et sur Ravelry, c'est Agathe Power Tricot, puisque je ne pouvais pas mettre un nom aussi long que Agathe Power of Tricot. Donc, c'est Agathe Power Tricot sur Ravelry, si vous voulez voir mes projets que je tiens à jour. Voilà. Je mets les gros projets sur Ravelry, je ne mets pas les petits projets que je vous montre. Bien, allez, c'est parti. Ça fait un petit bout de temps, je me force un petit peu à vous faire ce podcast, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je suis à fond sur des projets couture, parce que je me marie normalement cet été, et je fais ma robe de mariée. Et voilà, donc pour celles qui ne suivent pas le podcast couture, sachez que si vous voulez voir un petit peu des petits... C'est toujours sympa de voir des gros projets comme ça un petit peu ambitieux, surtout avec quelqu'un qui n'a pas un niveau de fou, ça peut être, voilà, je prépare en tout cas le futur podcast couture, les deux prochains je pense qu'ils seront très étoffés en plein de choses, de couture et de balbutiements aussi. Hein. Alors aujourd'hui dans ce podcast tricot, je vais vous parler de mon châle de mariée. Je vais vous parler du châle que j'ai fait pour ma fille. Un châle Mathilda. Et puis un fail, un échec de moufles parce qu'elles ne sont pas du tout à la bonne taille. Allez, c'est parti. Je vais vous parler de plein de choses. Ah oui, puis à la toute fin du podcast, je parle d'autres choses. J'essaie d'ouvrir sur d'autres thèmes, d'autres sujets, voilà. J'ai pris des notes, je ne sais pas encore quel thème je vais prendre, mais voilà. Donc, bienvenue. Pourquoi j'ai cette tête-là? D'habitude, j'ai peut-être pas tout à fait ma tête. Là, j'ai une tête de quelqu'un qui a été réveillé à 4h du mat par un de ses enfants, là. Donc, c'est pour ça que normalement, lundi matin, je ne fais pas le podcast, mais je fais couture et j'avance sur ma robe de mariée. Et là, avec ma tête dans les... C'est quoi l'expression? Je sais plus. Ma tête dans le brouillard, j'ai abandonné l'idée de coudre parce que je me suis dit c'est un coup à faire des erreurs et il faut avoir la tête. D'habitude le matin c'est bien parce que j'ai la tête bien prête et là pas du tout. Donc pas de couture cette semaine et puis voilà un petit podcast, ça fait un petit bout de temps donc il était temps. Bienvenue à ceux qui rejoignent ma chaîne, voilà, bienvenue. Vous allez voir que c'est assez décousu, je le prépare un petit peu, enfin j'ai trois mots pour juste me faire penser à certaines choses, mais voilà, c'est un bon moment que j'essaie de passer et que j'espère que vous passez avec moi. Donc c'est pour ça, je le fais au feeling et avec spontanéité. Oui, je voulais vous parler d'un petit truc, c'est pour les cocons, ma petite laine. Vous avez dû suivre, je vous mets une petite photo pour vous rappeler ou pour montrer à celles qui ne connaissent pas. Mais donc, ma petite laine, c'est l'entreprise que j'ai montée avec laquelle je vends les cocons, mais je vends aussi les kits à tricoter. Donc, on vend la laine et on vous offre le patron. Le patron, l'étiquette et un tote bag avec. Pour celles qui veulent tricoter le cocon. Mais on s'est rendu compte que certains veulent juste le patron. Donc en fait, ce qu'on vous propose, sinon, c'est de vous envoyer par lettre simple le patron, tout bien imprimé en couleur. Donc il est, voilà, on l'a amélioré par rapport à celui que je vends sur Ravelry. Donc là, vous pouvez aller sur le site mapetitelaine.fr et puis vous tombez. Vous pouvez acheter le patron tout seul qu'on vend quand même avec la jolie étiquette. Voilà, alors c'est une étiquette vegan, c'est de l'imitation cuir, mais c'est vegan, donc voilà.
puisse pourra finir un petit peu le projet. Souvent, ça fait une jolie petite finition. Donc, on vend ça ensemble. Et on a aussi le petit kit où on vend le patron plus l'aiguille, les aiguilles et l'étiquette. Voilà. Comme ça, si vous avez la laine mais qu'il vous manque le reste. Et à chaque fois, on vous met en fait un marque-page avec les explications d'utilisation, les petits conseils kinés et conseils de lavage. Voilà pour la partie ma petite laine. Ah oui, et dans le patron que vous l'achetiez sur Ravelry ou là sur ma petite laine pour recevoir le papier, il y a la vidéo pas à pas qui va avec. Donc là, il suffit de passer le QR code. Voilà. C'est tout à fait adapté aux débutants. Hein. Entre la vidéo et les explications suffisent pour un débutant, mais au moins on montre chaque petite chose qui pourrait poser souci en vidéo au cas où. Voilà. Et c'est adapté aussi à celles qui sont perfectionnées. En fait, il y a une partie qui est très détaillée, mais il y a toujours une partie coup d'œil qui est très, très lisible, très simple, quand on n'a pas envie de trop lire. Voilà, quand on est aguerri. Bien pour la petite laine, c'est fait. Bien, allez, je vous le montre, ce châle. Alors, je vais me prendre d'autres petites notes, c'est mon ordi, parce que, en fait, ce châle, hop, donc il y a une étole, pardon, qui n'est pas un châle. Voilà, une étole. Que j'ai fait. Alors en fait c'est un patron qui est dans un livre, voilà. Donc je vous invite à regarder mon Ravelry pour avoir le lien. Je vais vous le donner quand même, hein. Ne criez pas au scandale. Non, il n'y a jamais personne qui crie au scandale. Je m'amuse et tout. Alors ce châle, il s'appelle. Dans mon Ravelry, ça s'appelle Châle de mariage. Son nom Ravelry, c'est Box Lace Shawl. Donc, je l'ai fait en mohair de la ferme Fradi. Donc, c'est une ferme qui ne fait que du mohair et qui le vend sur place et sur Internet et sur les marchés aux alentours de Pau. La ville de Pau dans le sud-ouest, dans le Béarn. Voilà. Voilà ce châle. Donc, en fait, il est assez simple. Hein, Oh bah là, si je vous montre la seule erreur que j'ai faite. Voilà. Donc, en gros, vous voyez, c'est des carrés. Donc, voilà. Là, c'est du point mousse pour commencer. Donc, on le tricote comme ça. On a les retours comme ça. Tac, 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 tac. Et moi, j'ai utilisé 5 pelotes de mohair. Donc, 5 pelotes de 25 grammes, soit 125 grammes. Voilà, pour ce châle. Donc, je vais vous le montrer. Comme d'habitude, je vous fais un petit défilé mannequin. Voilà, le but c'était de faire une étole mariage au cas où il fait froid, parce que je me marie en juillet, donc c'est pas dit que j'en ai besoin, mais j'avais envie de faire plusieurs choses pour mon mariage. Voilà. Donc, bien sûr, j'aurai une robe blanche. Enfin, pas bien sûr, mais vous vous doutez bien qu'avec un châle comme ça, je ne serais pas habillée comme ça pour le jour de mon mariage. Voilà ce que ça peut donner. Ça fait grande dame, hein, ça fait un peu duchesse. voilà, je voulais, pour ce mariage, faire plusieurs choses pour moi. Pour mes filles aussi. Donc, pour mes filles, je vais faire sûrement leur robe aussi en couture. Donc, pour moi, je vais me faire ça. Et puis, je vous parlerai après d'un projet que j'aimerais me faire. Je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, je vais essayer de me faire un gilet de mariage. Donc, ça, je vous en parle à la fin du podcast. Donc, voilà. Ce châle, en fait, écoutez, c'est de la dentelle. C'est assez basique. Il n'y a pas de grande difficulté. Si vous n'avez pas de... Alors, vous avez vu, des fois, j'ai des petits décalages. Ça devait être le début, du coup, puisque fallait le temps de prendre la main. Et puis après, franchement, de loin, on ne voit rien. On ne voit pas tellement d'erreurs. Enfin, moi, ça ne me choque pas. Je ne suis pas non plus...
je suis ravie de ça. Je vais vous montrer ce que ça donne, tiens, en écharpe, parce que après, je l'utiliserai plus en écharpe qu'en étole, en fait. Voilà. C'est pas mal aussi, hein. C'est doudou, hein. Donc, j'avais peur, moi, avec... En fait, le mohair de la ferme Fradi, c'est un mohair qui a plein de poils, qui ne s'enlève en aucun cas sur aucun de mes vêtements. Que vous voyez, là, par exemple, j'ai une sorte de pantalon bleu marine et j'ai pas un poil qui se met dessus. Donc, super, ce mohair tient bien. Il laisse pas de poils partout. Il ne pique pas. Ça reste du mohair. Mais il pique pas comme peut faire le mohair de Drops. Pour info, c'est 10 euros la plotte chez la ferme Fradi. Et c'est un petit peu moins si vous prenez 10 pelotes. Je crois que c'est 90 euros les 10 pelotes du coup. Voilà, moi je suis très contente de ce mohair qui est très pelucheux. Donc, très, très touffu, très fluffy comme on dit en anglais. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de poils à ce mohair. Voilà, je mets devant, voilà, vous voyez, il a plein de poils. C'est fou, hein, le nom. Plein de poils, vous voyez, qui sont un peu longs, donc on pourrait se dire, ça se défait, c'est sûr. Pas du tout, vraiment, il est bien pris dans la soie. Et j'ai jamais un truc qui... J'ai plusieurs... J'ai de la ferme Fradi, je m'étais fait un châle orange aussi, pareil, il peluche pas du tout. Il peluche pas, il bouloche pas, il perd pas ses poils. Bien, donc cette étole, bah écoutez, j'en suis contente. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une étole que j'ai fait en aiguille. Une étole que j'ai fait en aiguille quoi? Oh là là, bah et non, que j'oublie tout. J'ai pas du tout bien géré ma préparation podcast, moi. Je coupe pour la peine. Ça y est, j'ai retrouvé mon magnifique papier qui n'a servi qu'à un projet, il est défoncé. Donc ça tient sur une page, hein, c'est assez simple. En fait, il n'y a que le diagramme en fait. Hein, le reste, vous avez du point mousse au début, à la fin. Voilà, c'est encadré par du point mousse en fait. Et puis au milieu, il y a un diagramme de carré comme ça. En aiguille 4,5. En aiguille 4,5. Moi, j'ai fait... Ah oui, au cas où vous... Les changements que j'ai faits. J'ai fait combien de répétitions de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 répétitions de carrés en largeur. Voilà, je trouve que c'est la bonne largeur. Donc, je vais mettre à jour mon Ravelry pour que ce soit tout bien. Et puis, je vais vous montrer, tiens... Je vous montrerai après l'organisation du tonnerre. Bon, je vous montrerai après mon bullet journal spécial tricot. C'est fou ça, je l'ai sorti exprès. Hein. C'est pas manque d'organisation, là je l'ai sorti exprès pour vous montrer. Bon, on verra après, je recouperai. Et puis voilà. Bien. Ensuite, allez, le châle Mathilda. Ça va être un podcast court, hein, je vous le dis. Ça va être un podcast court. Le châle Mathilda. Donc voilà. Alors, je l'ai fait en rayure parce que je voulais utiliser tous mes restes de mohair et de brushed alpaga. Donc là, ce sont des brushed alpaga. Et là, c'est du mohair. Moi, clairement, en fait, je vous le dis et je le redis. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je préfère nettement... le mohair et soit que le brushed alpaga. Le brushed alpaga, vous voyez, ça fait un petit peu plus rustique, je trouve, que là, avec la soie. Il y a quelque chose de, en fait, qui paraît plus doux et qui est plus soyeux, en tout cas. La brushed alpaga n'est pas soyeuse du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas soyeux. C'est pelucheux, pas soyeux. Le mohair, c'est pelucheux et soyeux. Voilà, donc je trouve que, vous voyez, c'est comme si c'était plus lumineux. Et ben c'est le cas en vrai et je préfère clairement, clairement. Voilà. Donc j'avais fait
des châles à mes filles. Chacune avait choisi sa couleur. Il y en a une qui avait choisi ça, une qui avait choisi le lit de vin. J'avais, moi, pris du verre d'eau pour offrir. J'ai gardé des restes volontairement pour pouvoir faire un châle rayé à ma fille. Le seul à ma dernière fille, du coup, puisque j'en ai trois. Avant, ça me semblait ouf, trois filles. Et maintenant, je suis rodée, ça me semble pas énorme, en fait. Au début, c'était énorme, énorme. Énorme de travail. Bref, en fait, je le trouve très joli et j'en suis très contente. Il y a juste un truc à savoir, c'est que du coup, c'est pas joli en réversible, vous voyez. C'est pas aussi joli. Hein. Donc, c'est ça qu'il y a à savoir. Voilà. C'est à faire en connaissance de cause. Donc, c'est tout. Le châle Mathilda, c'est un patron gratuit. Vous pouvez le trouver, le lien sur mon Ravelry. Hein. C'est d'une poule à petits pas qu'il a fait. Je le trouve très bien. J'adore ce. Ah non, pardon. Oh bon, bah, j'ai le cerveau comme mes yeux. Endormi encore. Pas du tout. En fait, non. D'habitude, je faisais châle Mathilda d'une poule à petits pas qui se caractérisait. Avec, en fait, c'est la même forme globalement, sauf que il se construit pas de la même manière. Une poule à petits pas, on faisait grosso modo, on partait du centre du châle et puis on augmentait comme ça, ce qui faisait un châle de cette forme-là. Mais là, pour faire les rayures comme ça, je pouvais pas prendre ce même modèle, donc j'ai pris un modèle gratuit sur Ravelry avec des rayures et je suis partie à l'arrache comme ça. Donc j'ai commencé par le mohair, j'ai mis tout mon mohair et après j'ai fait les rayures au feeling. J'ai voilà, donc j'ai suivi un patron juste pour avoir les quantités de diminution et d'augmentation. Donc grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, on fait, on commence, voilà, ouais c'est ça, on commence par là, on augmente de ce côté-là plus vite qu'on ne réduit de ce côté-là en fait, ce qui fait qu'on a un agrandissement progressif. Et puis, ce qui est bien, c'est que, en fait, à la fin, on arrête quand on n'a plus de laine ou quand on a décidé d'arrêter. Il n'y a pas à prévoir de prévoir d'avoir assez de laine. On arrive au bout, et il faut juste avoir de quoi rabattre toute cette ligne-là. Voilà. Donc, pas mal, j'aime bien parce que ça permet pour utiliser les fins. Les fins, c'est un très bon système de. Un très bon système de châle en fait, je trouve pas mal. Voilà pour ce châle. Moi je trouve qu'il est grand pour ma fille de 3 ans parce qu'en fait quand elle veut pas, je pensais qu'elle voudrait bien le nouer, mais elle veut pas le nouer et donc du coup sans le nouer, il tombe un peu par terre. Bon, s'il est parfaitement mis droit, il tombe pas, mais il arrive vraiment proche du sol, ce qui fait qu'il n'est pas très pratique et elle veut pas faire de nœuds, je sais pas, ça l'angoisse. Des défis compliqués pour ça. Bref, voilà quoi. Les moufles. Allez, les moufles que j'ai faites. J'ai utilisé un patron de Drops Design, donc patron gratuit, qui s'appelle Wild Blueberry Mittens by Drops. Donc je vous mettrai une petite photo, mais grosso modo. Moi, j'utilise ce modèle-là de base. Là, dans celle-là, je n'ai pas fait le jacquard au début. J'ai juste utilisé en fait le modèle de base. Sauf que je n'ai pas du tout ni fait d'échantillon, ni utilisé la laine qu'il fallait, ni rien du tout. J'ai utilisé la bonne taille d'aiguille, à savoir 3,5. Mais comme ma laine était un petit peu plus grosse, je pense que c'est ça qu'il n'a pas fait. Donc, trop grande. En fait, trop grande, elles lui tiennent pas. Échec. Ça va servir de dépannage, je pense, au ski, genre. Mais bref, il faut que je lui en refasse. Est-ce qu'il y en aura encore besoin? Vu la douceur en ce moment, je suis pas sûre, mais bon. On espère aller à la montagne en mars, mais je crois bien que c'est mal barré. On verra. Enfin, nous, même s'il n'y a pas les remontées de pente, en fait, nos filles, on les a jamais emmenées au ski, vraiment, en fait. Donc, on voulait cette année. Bon, on verra ce qui. Ce qui arrive de nous dans les prochains temps. Bien. Bon. C'est terrible ça que je perde tout ce que je prépare. J'ai prévu plein de choses aujourd'hui en fait. Je voulais vous parler de plein de choses.
Allez, je coupe pour chercher mon bullet journal. Allez, je reprends. Bien. Alors, mon bullet journal que je viens de me faire. Là, c'est un bullet spécial tricot et couture. Donc, pour vous montrer un peu à quoi, comment il prend forme. Voilà, en fait, j'ai mis les tissus qui dépassent comme ça. Si je veux retrouver, tiens, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait dans ce tissu-là? À quoi ressemblait ce tissu-là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que ça m'a plu? Voilà, je prends et ça me sert un peu de marque-page, si vous voulez. Et puis après, je mets toutes mes notes que j'ai prises sur le projet que j'ai fait avec. Et donc, j'ai fait pareil pour le tricot. Donc, par exemple, voilà. Là, j'avais fait le pull Riu de Yarnflex, donc de Audrey Borrego. J'avais utilisé de la laine Angora de chez Fonty. Voilà, je fais un petit dessin. Je suis contente de mes petits dessins. Je les fais un peu à l'arrache. Vous voyez, là, c'était mon Winterfell. Vous voyez, je dépasse et tout. Enfin, je me prends vraiment pas la tête sur le dessin. Voilà, donc comme un bullet, je mets la taille que j'ai fait, la laine utilisée. Moi, j'avais utilisé de la bien-aimée, là. C'était la seule et l'unique laine de teinturière que j'ai tricotée. Voilà. Tac. Voilà, donc là, je mets mon jacquard, tous mes petits fils. Là, c'était de la Gilliatt, là aussi. Donc, voilà. Et puis, donc je vous invite aussi à regarder sur le compte Instagram de Myrtille Knit. Elle a fait une vidéo sur son bullet journal de tricot. Il est très étoffé, il y a plein de choses. Il est hyper chouette, c'est vraiment très inspirant son bullet journal à voir. Voilà. Et là, j'ai une sorte de petit... donc à la fin, en fait, comme j'ai la couture au début... avec une sorte de sommaire, c'est-à-dire que je mets au fur et à mesure ce que je... Voilà, je mets ce que je couds, puis l'année, puis la taille, et si j'ai fait des modifs ou pas, et ben là, pareil pour le tricot, ce que j'ai fait, quelle taille, et quelle laine. La date. Voilà. Grosso modo, je vais étoffer un peu avec d'autres. J'ai d'autres idées à mettre. Mais je me suis laissé une page vide exprès, donc on verra comment j'étoffe ça. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir quelque chose qui restera. C'est pas annuel. Voilà. Là, j'arrive à un moment où en fait, j'ai pas mal de tricots dans ma garde-robe que j'utilise et que j'aime bien. Donc, j'ai pas besoin de doublons, même s'il y a des choses que j'aimerais faire. Je me dis si j'en fais trop, en fait, il y en a certains que je mettrai plus ou moins. Donc, je me dis, je vais attendre qu'il y en ait qui s'abîment un petit peu, que je mette moins ou que je vois ce dont j'ai besoin en plus. Mais j'y vais avec parcimonie. Donc, en ce moment, mes projets sont plus orientés. Voilà, là, je suis en train de faire une paire de chaussettes. Et puis, je vais commencer mon fameux gilet pour le mariage. Voilà, donc j'essaie de plus penser. Ça me prendra sûrement plus de temps, donc j'aurai moins de choses à vous montrer. Donc, peut-être que je ne viendrai pas aussi souvent. Mais voilà, le but, c'est de ne pas avoir trop de choses inutiles dans ma garde-robe, de rester dans du très utile. Et puis, voilà. Donc, je pense que je vais faire plus de chaussettes parce que je les utilise vraiment pas mal, celles que j'ai. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chaussettes, je trouve, non plus. Donc, pour ma part, 2-3 paires, ce sera amplement suffisant, je pense. On verra. Je ferai peut-être plus de cadeaux dans l'avenir aussi. Tant que j'ai tout ce qui me fait plaisir, j'aurai toujours des petites choses pour moi quand même. C'est quelque chose que j'aime bien faire, du tricot pour moi. Mais bon, du coup, si j'ai un peu de temps en plus, je n'hésiterai pas à faire peut-être un peu plus de cadeaux que l'année dernière. Voilà. On va parler des projets, des coups de cœur, des patrons que j'aime bien et que je vais peut-être faire ou peut-être pas. En tout cas, celui que c'est sûr que je vais faire, je vous le montre, c'est le Valmy. Donc en fait, c'est pas du tout un patron qui existe. C'est un gilet qui a été fait par Laure de Sagazan, en tout cas de l'atelier Laure de Sagazan qui est un atelier pour les robes de mariée. Et là, ils ont fait ce gilet-là dont je suis tombée follement amoureuse. Et donc je vais me baser sur un patron existant juste pour la forme de base et puis je vais rajouter moi-même à ma manière les torsades, tous les motifs pour que ça y ressemble au plus. Voilà.
Voilà mon prochain projet. Donc, challenge. On verra. Ce qui n'est pas évident, c'est de choisir la laine qu'il faut et tout. C'est un gilet très dense. Je ne sais pas si vous voyez sur les photos. Moi, je le vois. Et je l'ai essayé, en fait, dans une boutique. Il est très, très dense. Donc, il faut vraiment avoir plus de laine que prévu en taille d'aiguille sur un patron, en fait. Donc, voilà. On verra comment je me dépatouille de ça et si ça rendra bien ou pas du tout. Je vous tiendrai au courant. Allez, dans les autres choses qui me plaisent bien. Allons-y. J'ai pas. Est-ce que j'ai de nouvelles choses? Oui. Ah oui. Il y a Morissette C qui a sorti le gilet Amy que je trouve magnifique. Très, très, très joli. J'adore. Voilà. J'ai beaucoup regardé de petits gilets un peu crop top ces derniers temps. Et donc, je vais vous montrer ma petite sélection de gilets crop top que j'aime beaucoup. Bon, c'est le téléphone de mon conjoint qui sonne. La musique est affreuse, mais il n'a pas le choix de changement parce que c'est le petit téléphone juste qui téléphone. Voilà. Reprenons. Donc, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Il s'appelle le Magnolia Chunky Cardigan. Je le trouve magnifique. Alors, tous ceux que je vous présente, c'est ceux auxquels j'ai pensé pour le mariage. Mais je voulais un gilet crop top sans dentelle. En fait, je voulais qu'il soit un peu hiver. En tout cas, un chaud, quoi. Et puis, j'ai du mal avec la dentelle pour une chose. C'est que j'aime pas trop qu'on voit en dessous. Si jamais la couleur... Enfin... J'en ferai peut-être, mais en attendant, je ne suis pas décidée. Donc, le Magnolia Chunky Cardigan, il est de Camilla Vad. Et il est en anglais, allemand, danois et norvégien. Donc, il n'est pas en français. Il est payant à 7 euros. Ensuite, il y en a un que j'aime. Il y en a plusieurs que j'aime bien, en fait. J'aime bien le Tarawela Cardigan de... d'Audrey Borrego qu'elle a fait en association avec Anna de la boutique grenobloise Lana et Tricot. J'aime bien sa forme. En fait, j'aime moins cette torsade-là, mais sinon, la forme me plaisait bien. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris celui-là pour mon futur projet. Là, j'aime bien... Pareil, alors ceux-là, je ne les ai pas pris juste parce qu'il y a trop de dentelle à mon goût, mais sinon, j'aimais beaucoup. C'est le Cropped Cardigan de Lisa Hoffman. Il me fait un peu penser au pull de Marie-Christine Lévesque, qui s'appelle comment, je ne sais plus, que je vous ai, dont je vous ai déjà parlé. Je vous écrirai ça, je vous le montre. Je l'aime bien, mais... je trouve trop de dentelle. Je crois pas que je mettrais un gilet avec dentelle. Enfin, moi, je suis pas encore raccord avec la dentelle. Il y a ma copine Jenny Rakoto qui a fait un pull que je trouve magnifique. Peut-être que je vous en ai déjà parlé de ça. Mais en tout cas, je vous le montre terminé. Je l'aime beaucoup. J'adore les finitions, notamment des manches. Il s'appelle le Humber de Yuko Shimizu. Donc, il est en anglais aussi. Il est payant. Il est à 6,30 €. J'aime beaucoup. Et il y a le Paris-Brest de Loli Lafay qui n'est pas nouveau, que j'aime beaucoup et que je pense que je ferai un jour. Voilà, quand j'aurai les laines et tout. Mais je le trouve magnifique, le Paris-Brest. Loli Lafay, elle a beaucoup de finesse. Dans ses choix de patron, j'aime beaucoup. Il n'y a pas tout que j'ai envie de porter, mais j'apprécie le travail de design qu'elle fait sur chacun de ses projets. Voilà, je fais un petit chapeau bas pour cette créatrice que je trouve vraiment avec beaucoup de finesse et tout. Super chouette. Voilà. Ben voilà, hein, c'est déjà pas mal. Je garde les autres pour une prochaine fois, si vous en voulez d'autres. Bien. Pour les patrons qui me plaisent bien. Ensuite, je vais vous parler des podcasts. Alors, les dernières fois, je vous ai beaucoup parlé de nouveaux podcasts. Et là, je vais vous parler de
pas de vieux podcasts, mais de podcasts qui sont déjà installés, mais que j'aime beaucoup. Alors, il y a Jolie Laurier cet hiver, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime bien ce qu'elle fait en général et je la suis. J'aime bien, je la trouve apaisante et reposante. J'aime beaucoup, j'aime bien son, ce qu'elle présente, comment elle le fait. Tout. Coucou, si elle me regarde. Je crois qu'elle regarde certains de mes podcasts. Et donc, en fait, elle a fait un vlog cet hiver avec Anna du Bruit des Aiguilles, qui est une teinturière qui fait beaucoup de laine auto-rayante, donc notamment laine à chaussettes auto-rayante. Et elle a fait comme un petit reportage, enfin pas un petit reportage, mais elle a fait des petits vlogs. Mais ce que j'aime particulièrement dans le podcast de Jolie Laurier, c'est vraiment la qualité de vidéo. C'est très joli, les prises de vue sont belles. Enfin, j'aime bien le côté artistique de la prise de vue qu'elle fait. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Hyper chouette. Et puis si vous connaissiez mais que vous n'aviez pas vu cette partie-là, je vous invite à aller voir. Je pense qu'elle va... J'ai cru comprendre qu'elle allait donner un accent beaucoup plus artistique à ses prises de vue. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me... Donc j'en suis ravie parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un petit truc artistique en plus dans les podcasts. Enfin quand il y a un truc en plus artistique, une partie blabla qui va plus loin. Voilà, j'aime bien. Ensuite il y a Simelo que je suis depuis un bon bout de temps et que j'aime bien ce qu'elle présente aussi. J'aime beaucoup ses couleurs et ses patrons. C'est des patrons que j'ai envie de faire la plupart du temps aussi. Donc en fait je me retrouve dans ces choix aussi de tricot qui le vont tous parfaitement bien. Elle n'a pas de fail d'elle. Chapeau. Voilà. Donc voilà. Et puis j'aime bien la personne qu'elle est. Très sympathique et très accessible aussi. En dehors de son podcast, on peut lui envoyer des petits messages. C'est toujours sympathique. Tout comme Jolie Laurier juste avant. Alors, et il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, c'est Raconte-moi un tricot. Voilà, un super podcast à voir. Ah, et puis il y en a un autre aussi, tiens. Donc, il y a Raconte-moi un tricot, qui est un podcast de... Alors, elles sont deux. Et donc, il y en a une qui est française et une qui est québécoise. Et voilà. Donc, en ce moment, elles font comme elles peuvent, ensemble, pas ensemble. Mais vachement chouette ce podcast outre-Atlantique. Je découvre de plus en plus les podcasts un peu outre-Atlantique en français parce que bon, je suis feignante avec l'anglais, je pourrais peut-être comprendre, mais ça me frustre beaucoup de ne pas comprendre, donc je reste sur les podcasts francophones quand même. Et il y en a un qui est sympa, c'est le podcast du Nimbus aussi. Assez chouette ce podcast. Voilà, je vous invite à aller voir, c'est cool. C'est cool. Bien. Alors, je voulais vous parler de quoi, justement, dans le fait de mieux aller. Alors, il y en a qui m'ont peut-être demandé de parler de sport un petit peu, tout ça. J'ai essayé d'en mettre un peu dans les stories Instagram maintenant, parce que bah, dans les podcasts, je ne savais pas trop si ça s'y prêtait. Mais voilà, moi, le sport ne fait pas forcément partie d'un besoin que j'ai. C'est-à-dire, si je me demande, est-ce que j'ai besoin de faire du sport là tout de suite, je me dis, bah non, pas forcément, j'ai envie de tricoter, par exemple, sur mon canapé. Mais en fait, quand je vois l'effet que donne le sport sur ma santé physique et mentale, oui, je sais que j'en ai besoin et que c'est important dans ma vie personnelle. Après, en tant que kiné, je vois bien, moi, les gens qui en font et les gens qui n'en font pas, la différence, ils se remettent... Ceux qui n'en font pas, ils se remettent beaucoup plus lentement, avec beaucoup plus de douleur, un corps qui décompense, on soigne un coup, ils reviennent pour des lombaires, pour, je sais pas, pour autre chose, pour un genou qui fait mal ou quoi. Donc voilà, le sport pour moi, ça ne devrait pas être un choix, mais un mode de vie pour la plupart des gens, encore plus pour les ados parce qu'ils sont en croissance, mais aussi pour les adultes. Et... Donc voilà. Donc en fait... Je voulais juste apporter une petite précision par rapport, je vous en avais déjà parlé une fois, c'est important. En fait, on peut. Le plus efficace, c'est de courir 5 minutes tous les jours. Et c'est plus efficace que de courir 20 minutes une fois par semaine. Voilà, je voulais juste vous dire ça parce que vraiment 5 minutes, même en fractionnant, c'est-à-dire en faisant une minute course, une minute marche,
une minute course, ainsi de suite pendant 5 minutes. En fait, c'est plus efficace que de faire une session une fois par semaine. Donc, faut pas hésiter, en fait. Ça s'imbrique très facilement, 5 minutes de course. C'est on fait un tour de pâté de maison, on revient, on prend sa douche et on part travailler. Et voilà, le matin, c'est très efficace. On peut agrémenter avec un peu d'abdos ou un peu de renfo gym à la maison, vite fait. Mais en fait, du vite fait peut être très efficace. Voilà. Je voulais le dire. Effectivement, on a du mal à y croire, mais vraiment, ça marche très très bien. Je vous invite à le faire. D'autant plus dans des périodes ou stressantes ou de fatigue, parce qu'on retrouve de l'énergie grâce à ça. Si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me solliciter à ce propos. Aucun souci pour moi. Et c'est agréable en plus quand on court, bah, de sortir sans le masque, respirer un peu l'air et tout. Enfin, c'est sympa aussi, notamment en ce moment. Quand il y a un ciel bleu, même s'il fait froid, il faut que ça appelle à ça. C'est le meilleur temps pour aller courir, c'est pas quand il fait chaud, c'est vraiment quand il fait froid avec un soleil là, c'est top. Allez. Et puis voilà, le tous les jours, on le fait par exemple 2-3 mois et puis après on passe un jour sur deux, une fois que le corps a vraiment pris le pli. Mais c'est bien d'être très très régulier au début. Voilà, et de pas se poser la question si on y va ou si on n'y va pas. On l'inscrit dans notre quotidien. Et les effets sont hyper efficaces. Donc ceux qui veulent notamment perdre du poids, c'est une des meilleures manières pour assécher le corps. Donc voilà, ne pas hésiter, c'est magique. Moi j'ai fait ça aussi pour perdre mon poids d'après grossesse. Ma deuxième grossesse, j'avais 10 bons kilos à perdre, j'avais des bonnes joues. C'est surtout que je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais flasque et molle et lourde. Ça me posait souci. Là, il y en a qui ça pose pas souci. Moi, ça me posait souci parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise. Enfin, j'ai un métier physique, donc j'ai besoin aussi de me sentir à l'aise. Et puis, de montrer l'exemple à mes patients. Hein. Je ne vais pas leur dire « faites du sport » si moi-même, je ne sais pas de quoi je parle, en fait. On accompagne mieux les gens quand on sait de quoi on parle et quand on a vécu les choses. Ça part dans tous les sens. Voilà. C'est pas grave, je me dis... vous aurez peut-être passé ou éteint si ça vous plaisait pas, donc voilà. Je fais mes petits blabla d'après. En fait, comme ça fait longtemps que je vous ai pas vu, à chaque fois que je pense à des choses, je me dis ah, faut que je parle de ça au prochain podcast, faut que je parle de ça. Et en fait, il y en a plein de fois où j'oublie, et puis là, du coup, j'ai cumulé depuis ça fait plus d'un mois et demi, un mois et demi que j'ai pas tourné. Ah oui, je voulais parler aussi, le podcast, on ne filme que la partie agréable visuellement, hein, mais ça peut être un carnage chez moi, même quand je tourne un podcast. Et en fait, je ne pourrais pas faire de podcast si j'attendais que tout soit rangé et d'avoir tout fait mes tâches ménagères. Je ne pourrais pas filmer si ma maison était nickel tout le temps. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour déculpabiliser. Certaines éventuellement, c'est pas nickel, encore moins avec 3 enfants à la maison puisque c'est souvent dérangé. Et voilà, moi j'accepte un petit bordel. J'aime bien que ce soit propre, mais j'aime pas quand il y a le bazar. Enfin, voilà, il faut que ce soit propre. S'il y a un peu de bazar, c'est tout à fait toléré. Mais je me force à tolérer. Chaque jour, je me dis non, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Parce que sinon, je deviens une furie et j'engueule tout le monde à la maison, les enfants, mon conjoint, tout le monde. Oui, c'est le bazar, on peut pas vivre. Enfin bon. Je suis douce et cool devant le podcast, mais en fait, dans ma vie, je suis un peu speed. Et là, c'est le moment où je suis bien, en fait, quand je parle tricot ou quand je tricote. Ou quand je couds. Quand je couds, pardon, que vous m'entendiez quand même. Ah oui, tiens. Je cherchais de la laine naturelle. Et donc, j'ai regardé pas mal de boutiques. Et en fait, je voulais dire un bravo à la marque Heidi. Parce que la couleur naturelle, eh ben, ils la font moins cher que les laines teintes. Et ben, je trouve ça super. Et donc, je souligne ça. Et si jamais vous, en tant qu'acheteuse, vous avez des marques qui le font, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je les noterai. J'en parlerai au prochain podcast. Moi, j'ai pas fait toutes les boutiques pour dire qui le fait, qui le fait pas. J'ai juste remarqué que Heidi le faisait, que tout le monde ne le faisait pas.
Et je trouve ça bien que ce soit dit ou fait. Voilà. En tant qu'acheteuse, en fait, même si c'est 2 euros de différence, c'est pas énorme, mais en fait, bah si, souvent on achète 3, 4 échevaux, enfin, ou pelotes. Enfin, symboliquement, moi je trouve ça hyper important, donc voilà, je vous le dis. Pour ça, c'était important. Ah oui, moi je vous le dis aussi. Je n'ai pas de griffes de peigne à blocage. Je compte pas en acheter. Et tout se passe très bien. Après, je fais pas beaucoup de châles. Alors, je pense que pour celles qui font des châles avec des picotis, je sais pas quoi ou quoi. En fait, moi, j'aime pas les petits châles à picotis. Donc, je ressens pas le besoin. Je mets tous mes pulls et le peu de châles que j'ai fait n'en ont pas eu besoin. Et je trouve qu'elles en souffrent pas dans leur vie. Donc, voilà, c'était pour un peu parler des choses dont on a besoin ou pas besoin. Je vais vous montrer aussi les choses que j'ai et qui me sont fort utiles. J'ai fait une petite vidéo, je vous la remettrai en fin de podcast. Vous savez, à la toute fin, je mets souvent des images et tout. Et je vous mettrai cette petite vidéo qui parle de tout ce que j'ai dans ma trousse. Mais en gros, moi, un marqueur qui marque où on met à chaque rang, à chaque fois qu'on passe un rang 8. On tourne, là je l'ai peut-être pas fait du bon côté, mais vous avez compris le principe, ça fait 1, 2, 3, 4, et puis ça peut aller jusqu'à 99. Ça m'est très utile. Une aiguille à tapisser pour rentrer les fils. Un crochet. Un mètre, évidemment. Il y a un truc que j'aime beaucoup. Deux trucs que j'aime beaucoup pour moi, c'est pas ce que j'avais au début et que je trouve formidable à avoir. C'est. Bon, les petits pandas qui se vissent sur les aiguilles circulaires interchangeables et qui permettent de laisser en attente sur le fil, de ne pas avoir besoin de passer dans un autre ustensile. Donc, ça, je trouve ça bien quand on a plusieurs câbles, hein, évidemment. Par exemple, pour les manches qu'on laisse en attente, moi je mets ça, hop, j'ai plusieurs, comme ça j'ai plusieurs câbles de même taille, même pour les manches. Voilà, j'ai au moins 2 câbles petits pour chacune des manches. Puis voilà, je peux continuer comme je veux le tout. Donc ça, je trouve ça vraiment super. J'en ai que 2. Ça me suffit, ça va. Je pourrais en avoir 2 de plus, que ce serait pas mal, mais voilà. Pour moi, c'est bien. Ça se vend par paire, hein, de toute façon. Et il y a ça. Que je vous montre. Ça, c'est un. C'est pour. Vous savez, des fois, par exemple, vous en êtes à la manche et puis vous n'avez pas beaucoup. Enfin, vous avez peur que ça se détricote, quoi. Et bien, en fait, vous bloquez les aiguilles avec ça. Voilà. Ben, pour moi, ça, c'est le top. J'ai pas besoin de trucs pour les ranger ou pour quoi. Ça, c'est parfait. C'est ce que je préfère. J'avais aussi acheté ça que j'utilise moins, mais qui me sert quand celui-là est pris. Ça peut arriver. C'est les petites tulipes. Donc, tout ça, je les ai achetées chez Lily comme tout. Hop. Voilà. Et donc, il y a aussi ça qui est bien, qui me sert parfois aussi, mais que je trouve moins... Enfin, moi, j'ai pas besoin de protéger mon sac. Il n'est pas fragile ni rien. Donc, moi, je préfère utiliser ça. Il y en a qui vont préférer ça au cas où ça... Ça pique quelque chose qu'il ne faudrait pas que ça pique. Mais bon. Voilà. Et donc, forcément, les petits marqueurs, les ciseaux. Hein. Mais voilà, ça, c'est les petits gadgets, j'ai envie de dire, bien utiles. Ensuite, ça, je voulais montrer le bullet journal. Et en fait, j'ai mon bullet journal couture tricot que je compte garder des années où je mettrai tous mes projets là-dessus. J'ai mon bullet journal agenda, on va dire... dans lequel je voyais j'ai mon mois, mes petites notes à retenir pour le mois de manière globale. Et ensuite, mes to-do list semaine par semaine. Voilà comment ça se présente là. Donc là, on a commencé février. Et puis voilà mes semaines, comment elles sont. Voilà. Donc là, j'ai mes semaines prévues, les choses ce que je fais de ma journée. Et là, les to-do list ensuite. Ça permet de rien zapper, hein, en fait. Donc là, moi, je m'en sers bien pour les petits mots, les petites choses à vous dire, en fait, à ne pas oublier.
Eh ben, j'ai fait un bon tour, en fait. Waouh, on a parlé de choses. Je ferai le podcast couture dans pas très longtemps, parce que ça avance bien. En fait, je pensais pas que c'était à ma portée la couture, et en fait, si, complètement. Et moi, comme c'est grâce à des podcasteuses de tricot qui font aussi de la couture que ça m'a donné envie. Voilà, je vais vous mettre les projets que je vais présenter là en vidéo ou en photo, je vous les mets comme ça. Peut-être ça vous donnera envie. Ça c'est chouette. En fait, le tricot, c'est un truc que j'aime bien faire quand je suis un peu fatiguée le soir. La couture, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai un peu la motivation. Et en fait, en une soirée, on peut avoir un vêtement terminé. Et ça, c'est assez jouissif, en fait. Voilà. Et ben, c'est là que ça s'achève. Après tout mon blabla, là, je vous mets des vidéos et une petite chanson. La chanson, j'ai souvent des demandes et j'en suis ravie de savoir c'est qui, c'est quoi. Donc j'essaie, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre le lien d'écoute en barre d'infos. Je vous le mets souvent là. Et là, j'oublierai pas puisque je vous en parle. Mais c'est mon conjoint qui fait les musiques de mon podcast, qu'il avait fait depuis longtemps. Et je vous mets mes préférés. Et merci parce que ça lui fait hyper plaisir bah d'être écouté, entendu et apprécié surtout. C'est hyper dur le monde de la musique et tout. Donc il en vit pas. C'est pour le plaisir de ses proches et donc et ben aussi pour le plaisir de ceux qui apprécient pour le podcast. C'est vrai que le monde de la culture, bah, il a pas le vent en poupe en ce moment. Il l'avait pas déjà avant les histoires de Covid. Pour la musique, vous avez un nom déjà connu et ça va. Un peu le souci de quand certaines industries sont gérées par des gens pas passionnés, mais des financiers. Hein, la musique, c'est devenu le cas, les hôpitaux aussi. On n'a plus des médecins qui gèrent un hôpital, mais un financier qui voit le profit au jour le jour. Et donc, on voit. Bah, c'est dommage, comme ça se dégrade, mais bon, voilà, on va pas pleurer dans les chaumières. Mais pour la musique, c'est un peu la même chose. Avant, on avait des mélomanes. Donc c'était cool parce que ils pouvaient croire en quelqu'un qui marchait pas et puis voilà Balavoine il a sorti 3 4 CD enfin 3 4 albums avant d'être connu et en fait la plupart des gens connus de cette époque-là c'était ça ils en sortaient 3 4 avant d'être connus et là bah quelqu'un il sort une chanson si ça marche pas il est dégagé donc je trouve ça un peu dommage qu'il y ait plus de recherche de nouveautés mais bon. Mon conjoint il vit très bien sa situation de père de famille et de pompier volontaire, mais non, enfin, c'est un peu dommage pour les musiciens, pour les jeunes qui arrivent et tout. Donc, merci d'apprécier. En tout cas, voilà, comme quoi on a d'autres biais pour faire connaître la musique. Donc, merci beaucoup, c'est chouette. Depuis que je fais mon podcast, il a beaucoup de vues sur cette plateforme d'écoute. De chansons, donc merci, c'est vraiment un plaisir de partager aussi un peu de culture, même si c'est un tout petit peu. Et si vous voulez qu'on partage plus, par exemple, les peintures, ça c'est moi, ça fait des années que j'ai pas touché un pinceau, hein, mais voilà, on peut parler aussi d'autres choses si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore et toujours pour tous vos commentaires qui font vraiment plaisir, du bien. Ça permet vraiment d'avoir un échange entre vous et moi. Je vous dis à la prochaine. Ce ne sera pas tout de suite, parce que il faut que je tricote pour avoir des choses à vous montrer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci pour tout. Et puis, voilà. Prenez bien soin de vous pour la fin d'hiver. Attention. Il y a plein de gastro qui commencent. Enfin, vous aurez peut-être du temps de visionnage comme ça, si vous êtes à la maison. Mais bon, je ne sais pas ce que je vous espère, la gastro. N'importe quoi ce que je raconte. La fatigue. Allez, faut savoir terminer. Donc je coupe. C'est fini. Poum! C'est passage du Grand Cerf. Et les Louiselles. Donc il y a deux boutiques. Une boutique avec les unis,
un peu industriel, une boutique ici avec les fils teint main, les tissus et la mercerie. Bah, je me rends compte qu'il n'y a que ceux de ma génération qui comprennent les blagues. Tout à fait, Thierry. Comme tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui s'appelait Bataille et je fais Bataille, Fontaine, Fontaine et Bataille. Et là, personne n'a le temps à regarder comme ça. Bah, j'étais avec deux plus jeunes que moi et j'ai dit Ah, vous la connaissez peut-être pas celle-là.
Ils ont dit baguette. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, mais du genre, bah vas-y, dis-nous, on veut bien entendre, hein, on n'est pas contre.